Dans l'actualité de ce 22 septembre 2024, la célébration des 64 ans du Mali indépendant, une journée dense en activité partout dans le pays. Premier acte de la journée, le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et voilà, je suis en plateau ici avec Awama Kamara. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Diomé. Et vous allez nous présenter l'actualité 22 septembre, non seulement à l'intérieur du pays, mais également ailleurs dans le monde. Hein. Effectivement. Bonne fête à vous. Merci à vous aussi. À tout de suite. Inch'Allah. Et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous au nom de la rédaction du Mali Actualité et de tous leurs thèmes. Nous vous souhaitons une joyeuse fête, le Mali indépendant, à 64 ans. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a débuté cette journée de célébration par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance, un acte de portée historique et de reconnaissance au père de l'indépendance avec à leur tête le premier président du pays, le président Modibo Keïta. La célébration de la fête nationale d'indépendance de notre pays revêt une signification singulière au moment où le Mali, notre pays, est engagé dans la conquête de sa souveraineté. À son arrivée au monument de l'indépendance, le président Goïta a été accueilli par le premier ministre, le président du Conseil national de transition, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques et les autorités locales et aussi les citoyens qui ne voulaient rien rater de cette instance solennelle. Un moment de recueillement chargé d'émotions avec Garibou Pérou, Tchédié Camara et Idrissa Traoré. Fidèle et respectueux des traditions, arrive le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sur le site du monument de l'indépendance. Salut au drapeau suivi de l'exécution de l'hymne national. Le président Goïta emprunte cette voie tracée il y a 64 ans. Le chef suprême des armées reçoit les honneurs militaires. Il avance avec mesure et se livre à un devoir de mémoire de celles et ceux qui ont consenti les sacrifices ultimes pour la patrie. La gerbe de fleurs déposée, le président Goïta marque un temps de recueillement. En saluant les personnalités et citoyens venus pour la circonstance, le président Goïta appelle l'ensemble des Maliens à tenir le flambeau toujours allumé en souvenir des héros de la nation. La tradition qui vient d'être respectée constitue pour le chef de l'État un devoir de mémoire pour la génération présente et future. Thank you.
Et pour le deuxième acte de la journée, le chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta a présidé l'imposant défilé militaire. C'était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, le chef de l'État qui place ce 64e anniversaire sous le signe de la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel pour y faire face. Le président Goïta, qui apprécie surtout l'engagement des Maliens aux côtés des forces armées, il appelle à l'union sacrée autour de la patrie. La cérémonie donc de prise d'armes et de synthèse de l'intervention du chef de l'État, c'est avec Sira Batili. Le rendez-vous de l'honneur et de la dignité retrouvée. Le Mali de Modibo Keïta se remémore et hisse son drapeau pour magnifier son indépendance. Un 64e anniversaire qui mobilise la République avec en tête le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta au 34e bataillon du génie militaire pour ce rappel historique de l'indépendance du Mali. Jour mémorable symbolisant la nation Mali et l'instant est immortalisé par le traditionnel dépôt des gerbes de fleurs sur la stèle par le président de la transition. Tout un symbole. Le colonel Assimi Goïta revoit les troupes par la suite. Et le temps est donné pour un impressionnant défilé militaire exhibant les différentes unités de notre outil de défense nationale. De quoi rassurer la population civile quant à la défense du territoire. Ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est marqué par un contexte de lutte contre le terrorisme. L'indivisible Mali restaure son image d'antan, celle d'une souveraineté pleine et entière. Les premiers mots du président de la transition sont ceux d'hommage au père fondateur de l'indépendance avec le rappel du contexte actuel de célébration de ce 22 septembre. Nous célébrons aujourd'hui les 64 ans de l'indépendance de notre pays et sous le signe de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais, en ce jour solennel, rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence, le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel mènera donc des actions coordonnées pour lutter efficacement contre le terrorisme. Une assurance donnée par le chef de l'État, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos familles. Je tiens à rassurer le peuple malien
et les états de l'Alliance du Sahel, que nous allons combattre ce fléau pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Et le président Guaita de saluer l'engagement du peuple malien aux côtés des forces armées à traquer les terroristes. Un devoir de loyauté envers la patrie qu'il apprécie. Selon lui, cet esprit de sursaut national doit être constant. Il appelle à l'union sacrée autour de nos forces armées. Je tiens aussi, une fois de plus, à rappeler nos trois États de faire l'union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité. Et sans un soutien total et constant de nos peuples, cette lutte sera énormément difficile. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos populations. Je tiens aussi à saluer l'engagement de nos différentes populations suite aux récentes attaques. Et nous avons vu l'engagement de nos populations qui ont aidé les femmes et souvent à la recherche de ces terroristes. Et je voudrais aussi saluer et remercier nos partenaires et qui nous soutiennent dans ces moments difficiles et les rassurer que le Mali et les États du Sahel restent ouverts à tout partenariat dans un esprit de gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus, bonne fête d'indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, ainsi qu'à nos partenaires. La fête d'indépendance est un moment de réaffirmation du sentiment d'appartenance à une nation libre de ses choix, exerçant une autogouvernance teintée au goût du peuple, résolument engagée dans la quête du bien-être des populations. Voilà, merci à vous, Sira Batili. On peut alors dire que le défilé militaire du 22 septembre a tenu toutes ses promesses officielles, personnalités invitées et publiques n'ont pas vu le temps passer tant la parade, les différents numéros et prestations de la vingtaine de bataillons étaient spectaculaires. Nous revenons sur quelques séquences de ces démonstrations avec nos reporters Niania Aloutraré et Toumani Diabaté. La place d'armes du génie militaire, parée de ses meilleurs atouts pour offrir un spectacle grandiose à la hauteur des attentes du public. Ceci dans le cadre de la célébration du 22 septembre, édition 2024. Nous sommes à une bonne heure du démarrage de la cérémonie, qui sera présidée par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Les spectateurs commencent à affluer, parmi eux, l'homme au drapeau et ce monsieur en costume. Il nous confie être là pour accompagner les autorités de la transition dans leur détermination à ramener la paix au Mali. Mais leur présence a une autre raison, bien plus précise, le défilé. Les corps d'armée et l'ensemble des corps militaires, et ces passages sont très émouvants parce que ça prouve à quel point l'armée est en train de se perfectionner, le professionnalisme, surtout la synchronisation qui atteste d'une très bonne qualité de préparation avant. Ils ne sont pas les seuls à venir admirer des heures d'entraînement de nos hommes en tenue. Le défilé est le moment clé de la cérémonie car il offre l'opportunité aux Maliens de constater l'état d'évolution des FAMA afin de renforcer leur confiance dans nos forces militaires. En effet, les acquis de l'armée en termes de matériel et en ressources humaines sont exposés en ce jour. Le défilé, c'est pour imprimer l'opérationnalité des forces de défense et de sécurité paramilitaires. Donc c'est pendant ces événements de ce genre, les forces de défense et de sécurité paramilitaires démontrent à quel niveau de formation et d'aptitude technique et physique ils sont. Cette année, l'armée s'est surpassée, comme pour avertir tous ceux qui, dans leur funeste rêve, auront l'intention de toucher le Mali. Leur dessein Machiavel fera face aux hommes debout sur les remparts pour les bouter hors du territoire national. Le chef d'orchestre du défilé, c'est lui, le commandant de troupes Mamadou Suleiman Kone. Disposition préparatoire pour le défilé. Dans l'ordre, au son du tambour. En avant. La parade commence.
tout rythmé à la musique de la fanfare nationale qui a d'ailleurs ouvert la marche. Nous avons plus d'une vingtaine de bataillons prêts à tenir en haleine le public plaisant, chacun avec sa touche de particularité. Certains avec des cris propres à leur corps d'armée et d'autres avec des mouvements de corps spéciaux. À signaler que chaque bataillon a son unité spéciale. Ils sont reconnaissables grâce à leur accoutrement de travail spécialement conçu pour elles. Le spectacle était à son paroxysme au moment du passage de la cavalerie et du groupement motorisé de la gendarmerie nationale. Si les premiers avaient des chevaux bien sages et bien dressés, les engins des seconds, pour le moins très nerveux, ont rivalisé en démonstration acrobatique. L'équilibre et la technicité qui incarnent le moteur, la discrétion qui caractérise le moteur de la gendarmerie. L'autre temps fort de ce défilé du 22 septembre 2024 se passe dans les airs. Les parachutistes ont provoqué une véritable poussée d'adrénaline chez le public présent. Des prouesses qui sont le résultat des années d'expérience. C'est pour magnifier la fête davantage. C'est pour donner plus d'engouement à notre fête qui est la fête de l'indépendance. Je vois qu'il y avait beaucoup de vent qui était là. Est-ce que c'était difficile? Oui, nous sommes les habitués. Nous sommes les habitués. C'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à pouvoir venir sur le terrain. De 2000 mètres jusqu'à à 0 mètres d'altitude, il y a du vent. Il fallait utiliser l'expérience pour pouvoir retrouver le terrain. Salut. Le public a été émerveillé de bout en bout. En atteste ces témoignages de grande satisfaction du plus grand au plus petit. Voilà, un rendez-vous saisissant avec des numéros captivants. Et nous restons à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire qui était aujourd'hui l'une des attractions de cette journée de célébration où s'étaient retrouvées plusieurs personnalités invitées de marque, parmi lesquelles des membres du corps diplomatique accrédité au Mali, des diplomates qui ont salué l'imposant défilé évoqué, le renforcement des liens de coopération entre leurs pays respectifs et le Mali. Nous écoutons les réactions après le défilé des propos recueillis par Abdoul Karim Kaba. Aujourd'hui, le Mali fête le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cela est une grande fête pour nous. Le Mali est en fête, l'AES est en fête. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en fête. Cela nous interpelle au travail, au patriotisme et à la cohésion sociale, gage d'une paix durable. Donc, mes meilleurs vœux aussi au peuple nigérien et au peuple du Mali. Bonne fête d'indépendance, bonne fête de la Confédération. Merci beaucoup. Alors, quel appel avez-vous lancé à l'endroit de la jeunesse de la Confédération? La Confédération, à l'endroit de la Confédération, la jeunesse de la Confédération, je voudrais leur dire d'être vraiment très engagés, très déterminés à défendre cette Confédération qui a à travers ces 3D, la diplomatie, la défense de la sécurité et le développement. Si le pays se développe, c'est l'intérêt de la jeunesse qui va en profiter. Et l'indépendance, c'est maintenant que le combat commence pour avoir la vraie souveraineté de nos pays.
c'est très important pour la jeunesse, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. Bon, le défilé militaire était impressionnant. Félicitations d'abord. Bon, je tiens à exprimer mes vives félicitations au 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali. Et vous savez que les relations entre la Chine et le Mali remontent dans les années 60 du siècle passé. Et cette relation se renforce du jour au jour. Et cette année est marquée surtout par la visite du président de la transition malienne en Chine. Les deux dirigeants chinois et maliens ont fixé la grande ligne de coopération stratégique entre deux pays. Et enfin, je voudrais profiter encore de cette occasion pour souhaiter la paix et la prospérité à la République du Mali et au peuple malien. Ça représente une grande fête. Une fête où le Mali est totalement pour lui-même. Et je profite vraiment de ce micro pour dire que les jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, les jeunes colonels, ils ont fait beaucoup de choses pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et ça, c'est à leur honneur. Et nous sommes derrière eux, nous les soutenons. Et je pense que avec ce qu'ils sont en train de faire, le Mali va retrouver la paix, la tranquillité sociale. Et le Mali ira toujours de l'avant. Je demande aux Maliens de soutenir le président Assimi Goïta et la transition, parce qu'ils sont en train de beaucoup travailler pour ce pays et qu'on se donne la main pour les soutenir vraiment. Et voilà, 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le Mali souverain place ce rendez-vous sous les signes de la Renaissance, mais également de celui des souvenirs, comme pour dire que le Mali est sur la voie de l'honneur et de la dignité tracée par nos devanciers que la génération actuelle doit cultiver au quotidien. Ils sont nombreux, ces devanciers, qui se sont engagés pour un Mali plus radieux, plus fort, plus uni, en ayant à l'esprit que la véritable liberté commence par la responsabilité, cela avec une armée forte et un peuple debout pour faire face aux défis. Tamsir Diabaté et Mbarakou Maïga sont allés à la rencontre de certains grands témoins de l'histoire. La 4e République sur la voie de la première, il y a de cela 64 ans, et cela s'appelle le Mali. État-nation souverain. Oui, le drapeau, signe de la souveraineté, flotte en ce jour mémorable avec le nom Mali, qui rappelle et rend hommage à Modibo Keïta et ses compagnons. Oui, le Mali célèbre son histoire d'accession à l'indépendance en interrogeant le passé pour un avenir radieux. Un avenir radieux, cette fois-ci, avec une armée forte au service d'un Mali souverain. Il n'y a pas d'indépendance sans une armée forte. Nos devanciers ont mis sur pied une armée pour les besoins du Mali, pour la défense de l'intégrité territoriale, pour pouvoir assumer la souveraineté malienne. Et cette armée a beaucoup évolué, a eu beaucoup d'expérience, comme vous le savez. Et aujourd'hui, il y a un tournant avec l'arrivée de la transition. Ce 64e anniversaire n'est donc pas une simple date de commémoration, mais bien le reflet d'un Mali debout, engagé à tracer sa propre voie loin des dictats extérieurs. On est mieux défendu que par soi-même. Donc il y a des partenaires qui sont là, sans mettre en cause notre souveraineté, qui sont là pour nous aider, qui est différent du cas des éléments qui veulent que nous dépendions d'eux. On ne peut pas prêter sa défense, on ne peut pas demander à quelqu'un d'assurer sa propre défense. Le Mali ne sera que pour les Maliens. Le Mali ne sera fait que par les Maliens. Et il s'agit pour les Maliens de se sentir effectivement Maliens, de mieux définir le pays et de s'unir à l'unisson comme un seul homme pour obtenir l'objectif final qui est la souveraineté,
sans laquelle il est difficile que le Mali puisse être ce qu'il souhaite être. En ce 64e anniversaire d'indépendance, le Mali peut se targuer d'avoir franchi des étapes cruciales, avec la fierté de construire un avenir où la souveraineté nationale n'est plus une illusion, mais une réalité tangible. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce à ces jeunes qui sont venus, qui nous ont dit « Prenez-vous en charge, c'est vous qui pouvez construire ce pays ». Aucune autre nation ne pourra venir faire le Mali à la place des Maliens. C'est ce à quoi vraiment nous les encourageons. Ce régime actuel est d'autant plus sur la bonne voie qu'on a déjà un esprit de création d'un cadre global inter- sous-régional. L'AES, ça, c'est directement dans la volonté du premier président du Mali. Et là encore, il faut soutenir cet esprit. La défense opérationnelle du territoire dans une posture opérationnelle, c'est la nouvelle dynamique pour relever les défis sécuritaires. Et le défilé militaire de cette fête de l'indépendance est la preuve que le Mali est décidé de sauvegarder la voie de l'honneur et de la dignité tracée par les pères de l'indépendance. Le président Modibo Keïta, sa conception de la souveraineté était de faire en sorte à ce que, sur le plan national comme sur le plan international, le pays puisse s'affirmer. Et justement, c'est un peu la tendance qui est reprise par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je suis parfaitement optimiste pourvu qu'il y ait de la continuité. Je dirais à la jeunesse surtout d'avoir un esprit d'abord nationaliste, être malien, que le Mali ne sera que ce que les Maliens veulent que ça soit, mais aussi avoir un esprit panafricaniste, que seul on ne peut rien faire, c'est dans un ensemble qu'on peut réussir. Le rôle citoyen est en train d'être compris, ce qui n'était pas évident avant. Il y en a qui pouvaient se dire l'État peut faire ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Les gens comprennent ça de plus en plus. Et vous savez, la sécurité humaine passe d'abord par la sécurité individuelle. Et la population comprend ça. Et chapeau au peuple malien. La 64e année de l'accession du Mali à l'indépendance est placée sous le signe de la renaissance d'une nouvelle page qui s'inscrit dans l'histoire d'un Mali résolu à prendre son destin en main. Et l'œil de la caméra dans une posture opérationnelle vous donne l'image de la patrie, l'emblème du devoir et symbole de l'honneur, le drapeau. Absolument, Tamsir Diabaté. Évoquer le Mali, c'est comme remonter le temps, c'est comme retracer une histoire, passer en revue un parcours, revisiter des faits, marquer des étapes. Soudan français, la République soudanaise, Fédération du Mali, la marche fut longue et le chemin parsemé d'embûches pour aboutir à la République du Mali, pays indépendant souverain en 1960. Mais on retient que le Mali a quand même toujours été le chantre de l'unité africaine. Parlons de la Fédération du Mali et qui réunissait le Mali, justement, et le Sénégal. Elle a certes eu une courte durée, mais cependant, son existence fut riche en enseignements. Création et éclatement de la Fédération du Mali, un dossier signé Cheikh Oumar Sangaré. Après la conquête coloniale, le Mali devient une colonie française le 27 août 1892 sous l'appellation Soudan français. Son processus d'indépendance commence véritablement le 5 octobre 1956 avec l'obtention d'une autonomie administrative relative. Deux ans plus tard, soit le 24 novembre 1958, il devient par référendum la République autonome soudanaise, partie intégrante de la communauté française. Sous l'impulsion de Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor, quatre pays envisagent de former une fédération au sein de la communauté française. Il s'agit du Soudan actuel Mali, du Sénégal, de la Haute-Volta actuel Burkina Faso et du Dahomey actuel Bénin. Entre le 29 et 30 décembre 1958, ça va être la première rencontre de Bamako. Les 44 délégués fédéralistes de ces États vont se retrouver à Bamako. Ils vont commencer à jeter les bases de ce projet-là. Ce sont ces quatre-là qui se sont réunis, qui ont créé une assemblée constituante en janvier 59 à Dakar. Chacun de ces pays avait délégué 11 députés. Et ces députés-là, 44 au total, puisqu'il y avait 4 pays, ont écrit la constitution de la fédération.
une constitution approuvée à l'unanimité par les délégués des quatre États le 17 janvier 1959. Quelques jours après, la Haute-Volta et les Dahomey se retirent du projet de fédération sous l'influence de la France et de la Côte d'Ivoire, laissant Soudanais et Sénégalais adopter la nouvelle constitution le 22 janvier. Ils achèvent plus tard le processus de création de la fédération qui prend le nom Mali, avec Modibo Keïta comme président du gouvernement fédéral et ministre des Affaires étrangères, Mamadou Dia, vice-président et ministre de la Défense, Léopold Sédar Senghor, président de l'Assemblée fédérale. Ce gouvernement négocie et obtient la souveraineté complète de la fédération par la signature, le 4 avril 1960 à Paris, des accords de transfert de compétences. Cependant, l'idée de fédérer ne fait pas l'unanimité et dans la capitale fédérale, Dakar, trois faits de mauvais augure auraient marqué la cérémonie de passation du palais du gouverneur au président Modibo Keïta. Modibo, en quittant ses appartements pour rejoindre la salle au rez-de-chaussée où devait se dérouler la cérémonie officielle, son ascenseur est tombé en panne. Au moment où le représentant du gouvernement français lui remettait la clé en or du palais du gouverneur à Dakar, là-bas, cette clé lui est tombée des mains. Mais le plus inattendu dans cette affaire-là, c'est qu'au moment de la montée des couleurs du drapeau fédéral, et savez-vous ce qui s'est passé? Ce drapeau a été monté à l'envers. On était tous stupéfaits. Quand la fédération est créée, général de Gaulle, dans une de ses citations, je le rappelle, il dit, je cite, il dit, « La République du Soudan, je connais. La République du Sénégal, je connais. La Fédération du Mali, je ne connais pas. » Au regard de tout ce qui précède, des divergences naissent très tôt entre les parties soudanaises et sénégalaises. D'abord, sur la question du statut politique, Modibo Keïta prône un État unitaire et fort, tandis que Léopold Senghor opte pour un regroupement plus souple et plus proche de la puissance coloniale. Ensuite, se fit un désaccord pour la nomination du chef d'état-major général de l'armée fédérale. Le Sénégal propose le colonel Amadou Fall, le Soudan désigne le colonel Abdoulaye Soumaré. Quand une situation comme ça advient, le règlement militaire est clair, c'est l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé qui est nommé. Alors, le colonel Soumaré, plus ancien en grade et promis au grade de général, sera finalement nommé par le président Keïta comme le chef d'état-major général de l'armée de la Fédération du Mali. Ce fut la goutte d'eau qui fait déborder les vases et nous sommes le 19 août 1960. Mamadou Dia a fait mobiliser la gendarmerie sénégalaise qui était sous ses ordres. Et celle-là même, cette gendarmerie qui était aux ordres d'un capitaine français, le capitaine Pierre, puisque dans une ville qui est à 70 km de Dakar, Thiès, c'est de là-bas que des commandos sont venus pour procéder à l'arrestation du général Soumaré. Et vers minuit 0h donc, on a arrêté Modibo, on a arrêté tous les ministres soudanais. Et le 21, ils ont mis tous les officiels soudanais dans un train, vitre fermée, qui a pris le départ de Dakar jusqu'à Kidira, dernière ville frontalière entre à l'époque le Soudan et le Sénégal. Ainsi, un peu plus de 4 mois après sa création, la Fédération du Mali s'éclate le 20 août 1960. Ce que j'ai gardé moi en mémoire et jusqu'à présent, c'était l'immense désolation. On voyait des femmes se rouler par terre, pleurer. Elles venaient de se rendre compte que l'idéal qui les avait mobilisées s'était fracassé. 20 000 personnes, familles entières qui ont été rapatriées incessamment de Dakar vers la frontière. C'est ainsi que le Sénégal proclame son indépendance le 20 août et garde le drapeau de la Fédération en remplaçant le Kanaga par une étoile et le Soudan en fait de même le 22 septembre 1960 en gardant le nom Mali et le drapeau fédéral sans le Kanaga. Premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali
Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. La République du Mali est née des cendres de la Fédération du Mali. 64 ans après, l'histoire se répète avec la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Et seulement 4 mois après l'acquisition de son indépendance, vue comme une victoire du peuple, le pays créa son emblème national, c'est-à-dire le drapeau, l'étendard qui se présente comme le fruit d'une souveraineté durement acquise. Le vert, le rouge, le jaune et le rouge, chacune de ces couleurs représente un symbole fort de l'identité nationale du Mali. Le drapeau, c'est l'incarnation des aspirations du peuple malien à la liberté et à l'unité, d'où un respect total accordé au pavillon, mais son utilisation répond à certaines obligations. À la découverte du drapeau malien avec Moussa Papa Aïdara. Bamako, la capitale, annonce les couleurs du 22 septembre. Le tricolore resplendit déjà sur les façades, un rituel bien inscrit dans l'agenda, surtout des citoyens. Et je pense que pour tout citoyen, c'est important de mettre les drapeaux partout, partout où nous pouvons, surtout en ces instants-là, parce que notre drapeau, on y tient et... On va mourir pour notre drapeau. L'histoire du drapeau malien remonte avant l'indépendance. L'emblème qui comportait à l'époque sur sa bande jaune un masque d'ogon, le Kanaga. 4 mois après l'indépendance, en session plénière, l'Assemblée nationale a voté une loi 61-26 pour la création du drapeau national. On connaît toutes ces couleurs qui flottent au vent depuis 1961. Mais l'utilisation du drapeau est très réglementée, à commencer par la proportion et la disposition des couleurs. Les couleurs des drapeaux ne sont jamais choisies au hasard. Le drapeau malien est constitué de 3 bandes verticales d'abord. Ce n'est pas horizontal, c'est vertical. De longueur égale. La première bande, la bande de gauche, c'est le vert. En fait, le vert représente la terre nourricière, le pays. La bande du milieu, c'est le jaune, l'or, qui représente les ressources naturelles du pays, les richesses, l'or. Et le rouge symbolise le sang versé dans la lutte pour la libération du pays. 3 bandes verticales et égales. Et ici, on remarque que toutes les bandes ne sont pas égales. Et ce n'est pas logique. Parce que le rouge est plus grand que le noir, le jaune, le vert, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit coudre le drapeau. On doit réglementer la couture du drapeau également. Le drapeau est un lien unique entre citoyens d'un même pays. Il est témoin de tous les grands événements. Il est surtout remarqué dans le domaine du sport. Les supporters l'agitent pour soutenir leur équipe nationale. Sur le théâtre des opérations, par exemple, comme c'est le cas du Mali, le drapeau est brandi comme signe de patriotisme et de victoire. On le porte, ça signifie que voilà, je suis fier de toi. Grâce à toi, j'ai eu la victoire, donc je ne peux jamais t'oublier. Les premiers défenseurs du drapeau national, c'est quand même l'armée. C'est pourquoi, dès qu'il y a une ville est conquise, on hisse le... La première chose qu'on fait, c'est hisser le drapeau. Dès que vous perdez une ville, la première chose qu'on fait, c'est descendre votre drapeau. Symbole de l'unité et d'appartenance à une nation, le tricolore va même au-delà de marqueurs de l'engagement du pays pour les panafricanistes. À la sortie de l'école des policiers, c'est des officiers, ils jurent devant le drapeau, devant l'emblème de la patrie et devant le président de la République, de jurer, de donner leur sang. Le drapeau national, lorsqu'il vient à la tribune, tout le monde s'élève. Lorsque le drapeau vient au niveau du président de la République, le drapeau se met en horizontal. C'est la seule autorité où le drapeau est en horizontal. Selon les vexillologues, c'est-à-dire les spécialistes en drapeau, la durée de vie d'un drapeau est de 6 à 12 mois afin de le retrouver toujours en bon état. En principe, la loi interdit même de laisser flotter le drapeau la nuit. On monte et on descend les couleurs du Mali en même temps que le soleil. À 18h, il faut faire descendre le drapeau et le mettre à l'abri. Et le matin, vous le faites sortir pour monter. Lorsqu'il pleut, donc vous enlevez la poudre, vous enlevez le drapeau. Quel que soit. Le drapeau n'est mis en berne que quand il y a un deuil national. Là, on le descend à moitié.
Les drapeaux ne se jettent pas à terre. Lorsque vous venez dans un service, vous trouvez un drapeau sale, mal entretenu. Mais j'ai vu des drapeaux où on ne sent même plus la différence entre le jaune et le rouge. On doit sanctionner les chefs de service. Parce que moi, j'estime que vraiment, un drapeau sale ne doit pas exister. Brûler le drapeau d'une nation, c'est vraiment marcher sur le drapeau d'une nation, c'est la pire manifestation du rejet de cette nation. La profanation du drapeau qui est jugée comme un crime. Le drapeau appartient à tous les Maliens et il permet de se regrouper autour des valeurs communes. Au sommet de l'État, la montée des couleurs est devenue une habitude depuis juin 2021. Une initiative du président de la transition qui vise à réveiller la fibre patriotique chez le Malien. C'est clair, il appelle de tous les éléments de la présidence, il fait montrer les couleurs. C'est important que également dans les écoles ça se fasse. À la primature ça se fait. Dans les casernes ça se fait. En principe, lorsque le drapeau monte, on chante l'hymne national. De passage, lorsque le drapeau monte, vous êtes. Lorsque le drapeau descend, tout le monde reste. Ils vont déposer le drapeau dans sa demeure. Donc, ils vont en pas cadencer. Aujourd'hui, Vieux Drapeau, qui vend des drapeaux depuis 20 ans, s'est réjoui de l'importance que la population accorde à cette identité nationale. Les gens croient maintenant à leur pays. Mais quand ils viennent maintenant, les gens ne disent pas assez. Parce qu'ils commencent à comprendre l'importance du drapeau. Normalement, le drapeau même n'est pas à discuter. C'est l'emblème du pays. Le drapeau reste un visuel puissant, chargé d'histoire, des croyances et d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Et les Maliens sont heureux de magnifier leur solidarité à travers le vert, l'or et le rouge. Alors, respectons, célébrons notre drapeau, le vert, le jaune et le rouge. Longtemps restée comme une épine dans le pied des autorités, elle a lancé notre question du déploiement des représentants de l'État sur l'ensemble du territoire. Trouve maintenant la réponse avec la montée en puissance de l'armée malienne. La recette s'appelle la bonne collaboration des départements en charge de la défense et de la sécurité et le gouvernement à travers le ministère en charge de l'administration territoriale. Constat sur le terrain, les localités hier sans services sociaux de base ont désormais accès aux services publics. L'autre prouesse à l'actif du département en charge de l'administration territoriale, c'est la mise à jour de la carte administrative. Un dossier 22 septembre de Garibou Pérou et Teddy Camara pour comprendre la stratégie qui a été mise en place pour résoudre en si peu de temps cette équation. Réaménager les circonscriptions administratives et collectivités territoriales vacantes pour mieux administrer, c'est l'approche stratégique des autorités de la transition. Et dès les premières concertations, les retours de l'administration et les services sociaux de base ont figuré sur les différents programmes d'action gouvernementale. Approuvés par le chef de l'État, le ministre Maïga a procédé à une vague de nominations afin que l'autorité de l'État s'exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Il y avait beaucoup de circonscriptions administratives qui était vacante. Vacante, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentant de l'État, préfet ou sous-préfet, qui était nommé dans ces différentes circonscriptions. Aujourd'hui, les représentants de l'État, gouverneurs, préfets et sous-préfets, sont nommés dans l'ensemble des circonscriptions administratives de notre pays, ce qui est un exploit. La stratégie que nous avons utilisée, nous avons, avec la collaboration au franc concours du ministre de la Défense et des anciens combattants, et du ministre de la Sécurité, procéder à un déploiement massif d'éléments issus de ces deux ministères. C'est la raison pour laquelle vous remarquez souvent à l'issue des conseils des ministres des nominations approuvées par le chef de l'État. Et vous voyez bien entendu un nombre important de militaires, de policiers ou d'éléments de la protection civile. Ces retours est un processus favorable au développement économique et social. Le plus bel exemple du retour de l'administration ici qu'on peut souligner, en tout cas l'un des exemples les plus récents, c'est la nomination du gouverneur de Kidal. Nous l'avons tous suivi, avec un certain nombre de représentants de services déconcentrés. C'est pour vous dire qu'en fait, comme je dis, le point de départ, c'est toujours d'abord la présence effective du représentant de l'État, gouverneur, préfet, les préfets et leurs adjoints et les sous-préfets. Donc c'est une dynamique qui est en cours. Les indicateurs les plus palpables que nous avons, c'est la diminution du nombre de déplacés internes. Ensuite, bien entendu, le retour de certains réfugiés
qui étaient dans des pays voisins. C'est également le lieu de saluer et de féliciter Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Derrière tout cela, bien entendu, il faut également saluer l'action du ministre de la Réconciliation qui prend en charge également ces volets. C'est à nous d'être plus imaginatifs, de mutualiser nos ressources et surtout d'exploiter à bon escient les moyens que nous avons. Mais pour cela, nous bénéficions également de l'appui de nos plus hautes autorités. Et il vous souviendra qu'il y a quelques mois, le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a volontairement, sur ses propres ressources, offert un lot d'équipements bureautiques et des moyens roulants au gouverneur de Kidal, justement dans le cadre de son appui au retour de l'administration des services sociaux de base. Ingénieux, prévoyant, notre pays s'est doté d'une nouvelle carte administrative. Ce parachèvement de réorganisation administrative pour le ministre Maïga est un véritable outil de planification et de décision. Un État est supposé connaître à la fois ses frontières extérieures et ses frontières intérieures. Donc depuis le mois de mars 2023, les nouvelles lois relatives aux nouvelles circonscriptions administratives aux collectivités territoriales ont été promulguées par le chef de l'État. Donc on voit qu'il s'agissait d'un processus, disons, de 11 ans. Un processus de 11 ans. Imaginez, si on ne connaît pas les limites d'une région, des nouvelles régions comme Bougouni, ou comme Nara, ou comme Douanza, comment voulez-vous prévoir des actions de développement pour ces régions? À partir du moment où on ne connaissait pas ces limites. Mais aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment un mauvais souvenir. C'est derrière nous. Les retours de l'administration et les services sociaux de base se placent en bonne place parmi les orientations des autorités de la transition. Pour les remises en œuvre, le ministre Maïga a effectué une mission conjointe avec le Conseil national de transition et le ministère en charge de la réconciliation dans les régions du Nord en août 2021. L'administration est au service des populations et ceci demeure notre vocation. En tout cas, c'est la mission qui nous a été assignée par le chef de l'État. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais nous n'avons que le Mali. Je pense que nous avons l'obligation de satisfaire autant que faire se peut, dans la limite bien entendu des moyens à notre disposition. Aujourd'hui, l'armée est sur l'ensemble du territoire national. La République du Mali compte aujourd'hui 19 régions, un district, 159 cercles, 815 communes, 474 arrondissements et 12 641 villages, fractions et quartiers. C'est avec plaisir que le président Goïta a reçu cette carte administrative qui positionne les représentants de l'État mieux placés pour piloter le développement durable tout en donnant un sens à notre souveraineté nationale. 22 septembre 1960, 22 septembre 2024, le Mali indépendant 64 ans. Pour l'occasion, le président de la transition s'est adressé hier aux Maliens, le colonel Assimi Goïta, revenu sur les efforts faits par les autorités dans le cadre de l'équipement des forces de défense et de sécurité. Des efforts qui ont permis d'engranger des succès remarquables. Nous écoutons le chef de l'État. La question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien. Cette année, notre fête nationale est célébrée dans un contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise de terrain, conduite par les FAMA et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays et à le débarrasser définitivement de la menace terroriste. Les forces armées et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises, permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Ces succès remarquables résultent de la coordination des opérations militaires et du redéploiement des forces à Ber, Tessalit, Anéfis, Kidal et Agelok. Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent une fois de plus l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. En m'inclinant devant la mémoire des innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare,
J'adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et salue le professionnalisme des forces d'intervention. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, les efforts d'investissement continuent dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et de réformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Par ailleurs, la mutualisation des capacités et le soutien opérationnel dans le cadre de la Confédération des États du Sahel se poursuivent. Le chef de l'État, qui a également évoqué les mesures prises et celles en cours pour faire face aux préoccupations des Maliens, il a notamment mis l'accent sur les dégâts causés par les inondations et l'assistance que le gouvernement apporte aux sinistrés. Colonel Assimi Goïta. Je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile. Les autorités de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Les populations maliennes ont fait face ces dernières semaines à des inondations qui ont touché plusieurs localités du pays, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Face aux inondations, les autorités de la transition ont décrété l'état de catastrophe nationale et mis en action les centres de coordination et de gestion des crises et catastrophes. Des mesures sont prises pour une meilleure gestion des conséquences de ces sinistres afin de soulager les populations éprouvées. Je salue à cet égard la solidarité nationale qui a été exprimée à leur endroit. Un autre souci majeur de nos populations demeure la question énergétique. Pour y faire face, plusieurs projets de construction de centrales solaires ont été lancés dans le cadre du mix énergétique en vue d'améliorer la fourniture de l'électricité. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, c'est dans l'union sacrée des Maliennes et des Maliens que nous atteindrons nos objectifs de développement. Ensemble, nous devons œuvrer pour que les prochaines élections soient une véritable réussite afin de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau. Et puis, dans un décret présidentiel d'hier, 21 septembre 2024, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a accordé sa grâce à 390 détenus. Ce décret numéro 20-24-05-36 est pris par le président de la transition après avis de la Commission nationale de grâce. Et voilà. Awa Makamara, vous êtes encore là et avec vous, nous allons faire, comme annoncé, le tour d'horizon de la célébration du 22 septembre dans nos capitales régionales. Le premier groupage nous amène où exactement? Alors, le premier groupage de cette page spéciale consacrée à la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance nous conduit à Koulikoro, Mopti, Ségou et Koutiala. Les festivités ont été marquées par des prises d'armes, des défilés militaires et des dépôts de gerbes de fleurs pour saluer la mémoire des pères de l'indépendance et tous ceux qui se sont sacrifiés pour le Mali. On fait le point avec nos différents correspondants régionaux, Ousmane Koïta, Boubacar Sankaré, Fousséni Samaké et Brahima Kone. C'est dans la sobriété et avec honneur que les autorités de la deuxième région administrative du Mali, Koulikoro, ont célébré l'événement. Le colonel Lamine Kapori Sanogo, avant de procéder à la revue des troupes, a déposé une gerbe de fleurs dédiée à la mémoire des martyrs civils et militaires tombés pour le Mali. « 64 ans sont donc passés dans la vie de notre pays, chargés d'histoire et de souvenirs, souvent gais et parfois tristes, mais aussi celui des hauts et des bas, comme atteste la vie de toute une nation. Le plus important, c'est de pouvoir tirer les leçons de nos échecs
de nos manquements et insuffisances, de se fixer un objectif et d'aller de l'avant de façon résolue et déterminée. Le gouvernement n'a pas passé sous silence les attaques perpétrées par les forces du mal contre notre région malgré la détermination de nos femmes. Pour les cas spécifiques de notre région, surtout dans les cercles de Banamba, Kulukani, Nyamina et une partie du cercle de Koulikoro, où les groupes armés terroristes sévissent sur les populations par des actes divers. Malgré les contextes difficiles qui traversent notre pays, la région de Koulikoro a bénéficié des plus hautes autorités de la transition des appuis multiformes en termes de développement. Les nombreuses réalisations faites dans le cadre des œuvres sociales de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et dont notre région a largement bénéficié. Certains éléments des forces de défense et de sécurité ont eu des gradations en termes d'avancement. Les militaires ont défilé en rang serré pour témoigner leur fierté d'être maliens. Premier acte de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance par le gouverneur de la région de Mopti. Puis, c'est le camp Hamadoun Bokari Bari Dibalobo qui accueille les autres activités de la journée. Ici, le commandant de zone numéro 6, le colonel Pascal Berthier, donne le ton par la revue des troupes suivie du chef de l'exécutif régional pour le même exercice. 64 ans depuis notre accession à l'indépendance, nous nous devons aujourd'hui, dans le cadre du devoir du mois, avoir une pensée pieuse pour celles et ceux qui ont versé le sang pour que nous puissions voir le jour d'aujourd'hui. Il s'agit de nos dévanciers, hommes et femmes. Nous nous devons d'être fiers de notre modèle de performance sous le leadership hors pair de nos autorités de la transition et le bilan est très positif. Ensuite, place au défilé militaire et civil. Par ordre de bataille, la Noumba de la 6e région militaire, les pionniers, les anciens combattants, le drapeau et sa garde, l'administration pénitentiaire, la douane, les eaux et forêts, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre et le bataillon des sports. Dans la région de Ségou, les festivités des 64 ans du Mali indépendant sont riches en couleurs. D'abord, le dépôt de gerbes de fleurs et l'adresse du gouverneur aux militaires et civils de la 4e région. L'outil de défense et de sécurité de notre pays est au cœur des préoccupations du gouvernement. Grâce aux efforts conjugués et à la cohésion de l'ensemble des forces maliennes, l'environnement sécuritaire de notre pays s'est fortement amélioré avec la montée en puissance de nos femmes qui font la fierté nationale et forgent l'admiration dans toute la sous-région. Le défilé militaire et civil a concerné surtout les différents corps d'armée représentés dans la zone de défense de Ségou. Une manière pour la population d'apprécier encore une fois son outil de défense. C'était en présence de plusieurs invités de marque, dont les représentants du Burkina Faso, pays membre de la Confédération des États du Sahel. Souhaitez bonne et heureuse fête à tous les habitants de l'AES, de l'espace AES. Et l'occasion que j'ai pour lancer l'appel est le suivant. Alors surtout, nous mobiliser autour de nos leaders alors pour résister et aussi gagner chaque combat. Un autre temps fort de cette célébration à Ségou a été la remise des lettres de félicitations aux militaires qui se sont distingués sur le théâtre des opérations. Le gouverneur de la région de Koutiala procède à un dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et à la revue des troupes au centre d'instruction de Wolobougou, ainsi dans la sobriété, en mémoire aux héros de la lutte anticoloniale, ainsi qu'aux civils et militaires tombés sur le champ de l'honneur, le décor de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est campé. Nous fêtons aujourd'hui avec fierté notre indépendance et notre dignité retrouvée. Le 22 septembre reste donc un symbole, une raison d'être, l'instant de la réflexion et du regard en arrière. Je voudrais inviter toutes les populations de la région de Koutiala à nous unir et de voir ensemble le chemin du développement
Le Mali est notre seul bien commun. La boucle du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est bouclée à Koutiala par un défilé militaire avec comme ordre de bataille les officiers d'état-major, une section mixte, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et l'armée de terre. Et voilà, maintenant, direction Sanioro, Douila et Kidal. Et à Kidal, c'est dans une véritable communion que l'anniversaire de l'indépendance du Mali a été célébré. Une occasion pour le chef de l'exécutif régional de rassurer la population sur la restauration de l'autorité de l'État. Tout comme dans la 8e région administrative, les gouverneurs des régions de Sanioro et Douila ont procédé à la montée des couleurs et à la remise de galons à certains militaires. Nos reporters sont Drissa Kone, Moussa Djakité, Daniel Lafomba et Sidi Elmedi Ag Albaka. Mobilisés comme un seul homme, les Sanois célèbrent avec faste l'an 64 de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le colonel-major gouverneur fait son arrivée et rend honneur au drapeau, la revue des troupes avant de procéder à la montée des couleurs. Une insécurité rampante provoquée par des groupes armés terroristes. L'attaque lâche et barbare ce mardi 17 septembre 2024 de l'école de la gendarmerie de Faladje en commune 6 du district de Bamako et l'aéroport international Modibo Keïta. En dépit de cet état de fait, le Mali demeure et se construira avec ses États partenaires dans un ensemble plus homogène, j'ai nommé l'AES. La Confédération des États du Sahel, le gouverneur Sangaré a appelé les Sanois à soutenir de toutes leurs forces les trois chefs d'État. Pour la réussite de cette alliance, il faut que la population reste debout derrière les dirigeants. Et j'en suis sûr, nous allons tenir tête à ceux qui veulent nous humilier. Au plan régional, le gouverneur a salué l'avancée notoire dans l'opérationnalisation de la jeune région de Sang. Tous les cercles qui constituent la région de Sang, les 7 cercles, les préfets ont été nommés, les sous-préfets ont été nommés, certains adjoints ont été nommés. En ce qui concerne les directeurs régionaux, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire Alhamdulillah, parce que nous avons jusqu'à 34. Et en ce qui concerne la construction du camp, c'est pratiquement terminé. Pour agrémenter la cérémonie, les bois de Bramadougou, cousins de Peul, ont fait cadeau d'un bélier et un sac de haricots au gouverneur Sangaré. Les activités ont pris fin par le défilé tant attendu. Les forces vives de la région aux avant-postes, suivies du drapeau, le corps composé, les anciens combattants, la protection civile, la police, la gendarmerie, la garde, l'armée de terre et les engins ferment la marche. C'est la place d'armes du camp militaire El Hadj Oumar Tall qui a servi de cadre pour cette célébration. La montée des couleurs. La remise des galons au nouveau promis au nombre de 8 et les défilés civils puis militaires ont été les temps forts de cette célébration. Pour son soutien à l'armée, un enseignant de l'Académie d'enseignement de Nioro a profité de cette célébration pour remettre les 8% de son salaire du mois de septembre aux FAMA. Aucune adversité ne doit et ne saurait entamer notre détermination à l'épreuve du combat pour la souveraineté, l'unité nationale et la cohésion sociale que nous pouvons montrer notre capacité à dominer l'adversité. Par ailleurs, le phénomène du banditisme est un sujet de préoccupation également, car nous continuons à enregistrer des cas des vols d'animaux dans les milieux ruraux. C'est à 9h que l'exécutif régional Abdallah Faskoy, les chefs militaires, les élus locaux et certains membres de son cabinet sont arrivés à la place de l'indépendance d'Ibaniko. La situation du pays exige qu'on fasse une cérémonie à minima. C'est ce que nous venons de faire par une montée de couleurs, une prise d'armes et une visite au monument aux martyrs. Donc nous pensons que cela est suffisant pour magnifier en tout cas l'indépendance de notre pays. Le fait de fêter cette année de cette façon n'enlève à rien notre indépendance. C'est une réaffirmation de notre indépendance que nous sommes en train de faire
Et nous pensons que tous les citoyens maliens ont compris le contexte. Cette façon de fêter était vraiment la meilleure. Avant de clore la cérémonie, l'exécutif régional a invité l'ensemble des populations à la vigilance. La 8e région administrative renoue avec les festivités de l'accession de notre pays à la souveraineté 16 ans après. Plus qu'une célébration, ces festivités constituent des symboles forts du retour définitif de Kidal dans un Mali uni. Le 22 septembre 2024 est célébré avec faste, car des mémoires des Kidalois, la dernière célébration digne de son nom de l'accession de notre pays à la souveraineté à Kidal, c'est avec l'ancien gouverneur Alhamdou Agui Ilyen, actuel ministre en charge de la communication, et à ses côtés, général Gamou, encore chef des opérations du Guitougou et commandant de la première région militaire. Nous sommes en 2008. Cette année, à la tête de la région de Kidal, le général de division Alhaj Gamou a décidé de marquer cette symbolique importante de la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, je peux dire que l'autorité de l'État malien et surtout l'étendue de la région de Kidal. Je le confirme. Je ne peux pas de ne pas remercier au nom de la population de la région de Kidal le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées. On a fêté à Kidal en toute sécurité. Avec toutes les populations de Kidal, de Tessalit et d'Adjalhok, appelle à toute la population de la région de Kidal pour la cohésion, vivre ensemble, la réconciliation. Retraite au flambeau, révis des troupes, dépôt des gerbes, des fleurs au monument des martyrs par les gouverneurs de Kidal, remise des épaulettes aux éléments FAMA, promis au grade supérieur, la cérémonie aura tenu toutes ses promesses. Grâce à la détermination des autorités de la transition qui, par des choix éclairés, ont remis notre outil de défense à hauteur des souhaits, lui permettant ainsi d'entamer et d'achever la reconquête nationale. Quant au défilé civilo-militaire, les drapeaux et sa garde, suivis des pionniers, des anciens combattants, de la CAFO, des organisations des femmes et des jeunes, des opérateurs économiques et juste après, place au défilé militaire. Pour les populations de Kidal, cette cérémonie marque surtout le début d'une nouvelle ère, celle d'une région unie avec la République respectueuse des valeurs cardinales du Mali. Et voilà, les régions de Gao, Kita, Bougouni et Sikasso ne sont pas restées en marge de ce rendez-vous de l'histoire. Hein. C'était l'apothéose là-bas également. Effectivement, et vous savez, Ibrahim, la communauté des États de l'AES s'est associée à la célébration pour donner plus d'éclat à la fête. La cérémonie s'est déroulée au camp Tcheba Traoré à Gao et à Kita. Les festivités se sont déroulées respectivement au camp Firoun Ag à l'instar de Gao et celui de la brigade de gendarmerie de Kita. À Bougouni, civils et militaires s'étaient donné rendez-vous à la place publique en présence du gouverneur de région. On en sait davantage avec Aliou Idrissa Maïga, Mamadi Aliou Bari, Jafar Aïdara et Mustapha Doumbia. Gao a fêté ce 22 septembre 2024 le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Hommes et femmes, tous étaient là pour commémorer ce jour inoubliable. Cette fête nationale, en plus du fait qu'elle est notre jour de gloire, d'honneur et de dignité retrouvée, elle est aussi un souvenir à la mémoire des braves fils et filles qui ont sacrifié leur vie pour la libération de la patrie. À la place d'armes du camp Firoun Ag à l'Insar, les autorités régionales et la société civile ont assisté au défilé militaire avant le passage des engins. À partir du 3 août, notre région a connu des inondations qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels très importants. De 2020 à nos jours, au regard de l'engagement des autorités de la transition, nos forces sont arrivées à reconquérir tout le territoire national qui était occupé par des terroristes. La célébration du 22 septembre dans la cité des Askia
a été une occasion pour le gouverneur de la région de remettre des grades à certains militaires bénéficiaires. Auparavant, il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée aux morts pour rendre hommage à tous les militaires tombés sur le champ de l'honneur. Ici à Kita, la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs suivis de la prise d'armes et d'un défilé civilo-militaire au son de la fanfare nationale au camp de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Kita. Nous exprimons le soutien indéfectible des forces vives de la région de Kita aux plus hautes autorités de notre pays pour les actions salvatrices posées jusque-là en faveur de la protection des populations maliennes, de leurs biens en général et de celles de la région de Kita en particulier. Actualité oblige, cette célébration intervient dans un contexte dominé par des événements malheureux et des catastrophes naturelles parmi lesquelles les attaques et les inondations. Dans le cadre des actions sociales, des opérations de distribution alimentaire gratuite de 208 tonnes de maïs sont en cours à l'intention de 2080 ménages, soit 12 480 personnes vulnérables dans les 33 communes qui composent la région de Kita, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte 2024 à l'insécurité alimentaire, dont la cérémonie de lancement fut présidée par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État à Sikasso. Comment ne pas évoquer l'exceptionnelle contribution volontaire de la société civile de Kita pour cette initiative de mobilisation des fonds en vue de soutenir les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour la pacification et la protection de nos laborieuses populations, dont le montant total collecté s'élève à 14 millions. Le gouverneur a passé à la loupe les avancées significatives dans chaque domaine vital dans la région, ainsi que des perspectives pour un Mali émergent. La commémoration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance est un événement de portée historique, nous rappelle des actes héroïques posés par les pères de l'indépendance. Cette année, le 64e anniversaire coïncide avec un certain nombre d'événements malheureux engendrés par les individus ni foi ni loi. Que nous ne pourrons passer sous silence, au nom desquels nous pouvons citer entre autres l'attaque des forces armées maliennes à Tenzawaten, l'attaque des écoles de gendarmerie de Faladje à Bamako. À ceci s'ajoutent les victimes des inondations et celles des nombreux cas d'accidents de circulation routière. En dépit de ces difficultés, notre patrie, carrefour de civilisation et berceau des grands empires, est en passe de tourner l'une des pages les plus sombres de son histoire et parvenue à renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces de tout genre. Ces actions salvatrices des plus hautes autorités du pays, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ont porté leurs fruits à tous égards, comme en témoigne la pacification de la presse totalité des zones d'insécurité et la reprise historique de la ville de Kidal par les forces de défense et de sécurité du Mali. Cette commémoration du 64e anniversaire a pris fin par un défilé impressionnant de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et un repas de corps offert par le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wili. Les dépôts de gerbes de fleurs au monument de la place d'armes de la zone de défense numéro 8 est l'un des actes significatifs de cette célébration du 64e anniversaire de notre indépendance à Sikasso, précédé de la revue des troupes par la gouverneure de Sikasso, la chef. L'éducation, la formation et l'emploi sont des enjeux cruciaux auxquels nous devons nous consacrer afin de garantir un avenir radieux pour notre nation. Comme l'a si bien dit le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, désormais la souveraineté et l'indépendance du Mali ne seront plus négociables. Malgré les défis de l'heure, l'espoir est permis eu égard à certaines avancées. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des circonscriptions administratives de l'État, incluant l'installation des préfets et des sous-préfets, de la visite présidentielle à Sikasso de son Excellence le colonel Assimi Goïta,
pour la pose de la première pierre de l'université de Sikasso à Gongasso. L'observation d'une minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour le Mali, ainsi que les défilés civils et militaires, ont constitué d'autres temps forts de cette célébration. Et voilà, Awama Kamara, nous allons boucler maintenant notre tournée régionale par Tombouctou, Kay, Nara. Et nous irons également au Maroc, voir là-bas comment nos compatriotes ont célébré cette journée du 22 septembre. Tout à fait. Dans la cité des Rails, le gouverneur de la région a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs, présidé le défilé et un repas de corps. À Tombouctou et à Nara, les festivités se sont bien déroulées également. Nous allons voir aussi comment cette journée a été fêtée au Maroc. Nos reporters sont Najim Babassissé, Idrissa Keïta, Balkissa Saïdi Bouchiri Faïdara et Kassim Diallo. La région de Tombouctou célèbre ce 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec l'ensemble des forces vives de la région. Une cérémonie voulue sobre compte tenu de la situation sécuritaire particulière de la région. À cette fin, c'est le camp fort Cheikh Sidi Bé Kay qui a servi de cadre pour abriter l'événement. "64 ans après l'indépendance du Mali, nous rendons hommage à une génération de héros qui a lutté pour arracher la liberté. Parmi ces figures, nous pouvons citer les présidents Modibo Keïta, Mamadou Konaté, Philidabo Sissoko et bien d'autres." Le chef de l'exécutif n'a pas passé sous silence les multiples actions accomplies par l'État en faveur de la région dans les divers domaines de développement. "Au titre de la défense et de la sécurité, la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les terres secs de la région. Nous pouvons dire que le Mali a retrouvé sa souveraineté, tant recherchée, notamment la reconquête souveraine. Spécifiquement pour Tombouctou, nous avons eu la libération de la ville de Ber. À ce rendez-vous de la souveraineté nationale et internationale, des défilés civils et militaires, les différentes unités de forces de défense et de sécurité. À Nara, la célébration du 104e anniversaire de l'indépendance du Mali a été marquée par une cérémonie riche en activités avec en ligne de mire le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. Ensuite, place à la montée des couleurs suivie de l'arrivée des troupes par le gouverneur. "Cette indépendance chèrement acquise hier est défendu de nos jours par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à travers l'article 34 de la nouvelle constitution du Mali qui stipule « L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. » Autre temps fort de la fête du 22 septembre à Nara, la remise d'attestation de reconnaissance aux hommes qui se sont fait distinguer par leur travail. Un vibrant hommage a été rendu aux victimes de l'attaque de l'école de la gendarmerie nationale. "Les forces de défense et de sécurité continuent inlassablement à travers des patrouilles mixtes, le maintien d'ordre, les escortes de convoi, la sécurisation des autorités administratives et judiciaires, la sécurisation des foires hebdomadaires en vue d'assurer la quiétude de la population résiliente." Un autre fait marquant, l'imposant défilé militaire qui a vu le passage de l'armée de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile, a magnifié cette fête sur la place de l'indépendance de Nara au rythme de la fanfare. Le gouverneur de la région de Kay procède avant toute autre chose au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. Après, il se rend au camp Mamadou Lamine Dramé pour une cérémonie. Sur place, il a évoqué les tentatives d'agression désespérées perpétrées récemment contre notre pays avant de rappeler à la jeunesse quelques pages glorieuses de l'histoire du Mali. "Au Moyen Âge déjà, nos ancêtres ont réalisé leur rêve de bâtir des grands royaumes et des grands empires, comme les royaumes du Kasso et du Karta, les empires du Ghana et du Mali. Face à la pénétration coloniale, nos grands-parents ont opposé une résistance farouche et héroïque aux troupes coloniales
en dépit de la disproportion des moyens. Le général de brigade Moussa Soumaré est également revenu sur la concrétisation de quelques promesses faites par le président de la transition lors de sa visite à Kaï en juillet 2023. Le stade Ablaye Makoro Sissoko a été entièrement réhabilité et le lycée public de Kaindi construit, soit deux infrastructures ultramodernes dotées des commodités requises qui ont été inaugurées le lundi 26 août 2024 par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les travaux de réhabilitation du tronçon Kaï-Sandaré sont très avancés aussi. La cérémonie a pris fin par un défilé des anciens combattants, de leurs épouses ainsi que des chasseurs de Kaï, suivi d'un défilé militaire avec tous les corps de l'armée. Un repas de corps a également été offert dans la convivialité pour une parfaite cohésion entre les forces de défense et de sécurité. La célébration de la fête de l'indépendance du Mali est un moment de communion, de partage et de réflexion pour les Maliens établis au Maroc. Des réflexions autour des questions de développement économique, de la sécurité et du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc. L'événement a mobilisé les Maliens résidents au Maroc et les élèves officiers maliens de l'Académie royale militaire de Meknès et de l'École royale du service de santé militaire. Nous sommes éternellement reconnaissants à ces pères de l'indépendance. Et nous leur rendrons toujours hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce jour soit. Et je voudrais qu'on puisse avoir des pensées pieuses pour eux. Parce que ces pères de l'indépendance, beaucoup d'eux ne sont plus de ce monde. Le Mali et au-delà du Mali, le pays de l'AIS, nous traversons une situation, une guerre contre le terrorisme qui nous a été imposée. C'est pour cela, pour cette fête, nous avons voulu que nos frères du Burkina Faso et du Niger soient là avec nous pour que nous puissions célébrer ce jour important. La fête de l'indépendance du Mali est marquée au royaume chérifien par la montée des couleurs. L'ambassadeur du Mali à Rabat a surtout exhorté ses compatriotes à soutenir les autorités de la transition. Et voilà Ibrahima, c'est tout ce qu'on pouvait retenir de la célébration du 22 septembre dans les capitales régionales et d'autres aspects de cette fête dans les éditions futures. Mais avant de vous quitter, le contenu de ce communiqué à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, la coalition des forces patriotiques, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, le parti Espoir pour la démocratie et la République, le parti Barika présente au peuple malien, aux autorités de la transition et aux FAMA leurs félicitations et encourage les forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs actions de lutte contre le terrorisme. Voilà. Et voilà, ça sera tout. Merci à vous, Awama Kamara. Merci à vous une également. Une fois encore, bonne fête. Hein. Merci à vous aussi. D'ailleurs, on vous retrouve sur ce plateau demain pour l'édition de 20h. Hein. Plaise à Dieu, Inch'Allah. Ok, merci, vous restez merci quand même bien avec nous. On a commencé ensemble, on va suivre ensemble pour la suite du journal. Il n'y a pas de problème. La suite du journal, donc, pour boucler cette page spéciale avec la mobilisation. Des équipes de l'ORTM mobilisées depuis hier pour la couverture des activités, la retransmission en direct de la prise d'armes au génie militaire ce matin, de la cour de l'office tôt ce matin au monument de l'indépendance et à la place d'armes du génie. La direction générale a mobilisé une vraie armada pour que les auditeurs et téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales ne ratent aucune séquence de cette célébration. Et je vous propose de suivre quelques temps de cet engagement et cette mobilisation de la troupe de Obozola. On regarde. Olu be mari be
Et voilà, cela s'appelle la passion du service public et tout simplement le public, notre raison d'être. Alors, vous attribuez quelle note à la troupe de Bozola ? Une note de 20 sur 20. 20 sur 20, franchement. Okay, d'accord. La corvée a commencé depuis 5h30 pour certains et il continue toujours. Franchement, chapeau à tout le monde. Et ça se poursuit encore d'ailleurs ce soir, à suivre dans nos programmes de ce soir après Défense citoyenne, notre émission, votre émission donc, Tribune de vérité, un débat spécial 22 septembre sur le thème 64 ans d'indépendance, le nouveau Mali est en chantier, un débat. Trois panels animés par Yaya Konaté, Sira Badjili et Sidiki Damélé, avec six invités, le parcours politique du Mali indépendant, le rôle des femmes et des jeunes dans la refondation, la nouvelle carte diplomatique, sont autant de sujets qui sont débattus, donc à suivre ce soir après cette édition. Et en ces jours de célébration de la fête de l'indépendance, les FAMA confirment leur montée en puissance avec la destruction des réseaux logistiques et financiers des groupes armés terroristes. Et cela s'est passé dans la région de Kidal. Le commentaire de Abdoulaye Sakho. L'état-major général des armées informe l'opinion que la campagne de destruction des réseaux logistiques et financiers des groupes armés terroristes se poursuit dans le cadre de l'opération Maliko. Ainsi, dans la matinée du 22 septembre 2024, les FAMA ont repéré et suivi une citerne transportant de grandes quantités de carburant destinée à ravitailler les groupes armés terroristes. L'opération s'est déroulée à 42 km au nord-est d'Abébara, dans la région de Kidal. Ce mouvement logistique des groupes armés terroristes était le prélude à une opération que les groupes barbares comptaient lancer non seulement contre des emprises FAMA, mais aussi les populations civiles désarmées. Ce coup a permis d'anéantir le funeste plan en cours de préparation par les forces du mal.
L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA poursuivront avec détermination la lutte contre les coalitions des groupes armés terroristes et criminels sur l'ensemble du territoire national. La traque se poursuit. Weekend Sport, Soragatou Cissé est là, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Ibrahima Diomé. Encore un plaisir pour moi de vous dire bonne fête d'indépendance. Merci bien. Bienvenue, et de façon sportive. Tout à fait. Alors, on y va. Tournoi UEFA, zone Ouest A, le Mali a été quand même éliminé cet après-midi après un score nul 0-0 face à la Gambie. Oui, désillusion à Monrovia au Libéria. Les Aiglons du Mali sont passés à côté de leur tournoi cet après-midi face aux juniors de la Gambie. Le Mali n'a pu faire qu'un triste nul 0-0. La Gambie jouait à 10 depuis la 26e minute. Le Mali n'a jamais pu trouver le chemin défilé. Les Aiglons ratent l'occasion de se qualifier pour les demi-finales. Pour la 3e édition consécutive, le Mali ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On ne suit nos larmes. Heureusement qu'il n'y a pas que des défaites, il y a également des victoires. Hein. Ligue africaine des champions, jour historique pour le football malien au niveau des clubs. Le Djoliba AC s'est qualifié ce dimanche pour la phase de groupe. Tout à fait. Les Rouges en déplacement à Lomé au Togo ont battu l'ASCO de Karag 1-0 grâce à une réalisation de Zoumana Sempara à la 90e minute. C'était le même score à l'aller. Vous voyez déjà les images du match. Allez, le Djoliba a su se qualifier avec brio pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Une première pour le club et le football malien. Cette prouesse intervient comme par magie un 22 septembre 2024, marquant le 104e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le Djoliba AC en phase de poule de la Ligue des Champions et le Stade Malien de Bamako en phase de poule de la Coupe de la Confédération à la même période. C'est une première pour le football malien. Maintenant, à la Supercoupe, Assimi Goïta, la finale ce jour. Demain, lundi, ça sera au stade Mamadou Konaté à l'affiche CNT contre Koulikoro. Oui, à partir de 16h, le CNT et Koulikoro, pour en arriver là, ont éliminé Bamako et Ségou au tir au but. Cette finale inédite en 4 éditions sera colorée en termes d'organisation. La commission nationale, pilotée par le commissaire colonel Cheikh Mahmoud Chérif Tunkara, a mis tout en œuvre pour la réussite de la fête. L'événement est présidé par le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga au nom du président de la transition chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Côté basket, les trophées de la Coupe du Mali ont été remportés hier par le stade malien de Bamako en dames et l'AS Police en messieurs. L'événement était présidé par le premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Tout à fait. Le palais des sports Salamatou Maïga, théâtre de ces deux finales de la Coupe du Mali de basket, a vibré. Le stade malien de Bamako en dames et l'AS Police en messieurs retourne à la maison avec les trophées. Le compte rendu de ces deux finales avec Daouda Kone. Pourtant, ce sont les Rouges qui avaient le match en main. Le carton initial est bouclé 21-6. Au deuxième, les protégés de Souris Diakité se ressaisissent et reviennent dans le jeu. Elles récoltent au score mais perdent aussi le deuxième carton par 33-32, score à la pause. De retour sur le plancher du palais des sports Salamatou Maïga, l'équipe de Amara Traoré semble prendre un plomb dans les ailes et multiplie les maladresses et des pertes de balles. Ce qui va l'amener à perdre le troisième carton par 52-49. Impossible pour les joueuses du Djoliba de revenir dans le match. Finalement, elles perdent la partie par le score de 68-61. Le stade malien de Bamako réalise ainsi en dames le doublé coupe championnat. Ce soir, c'est vrai que le début du match a été très difficile pour nous. Donc au deuxième carton, on est venu en défense zone. Ça nous a beaucoup permis de gagner des ballons et c'est ce qui nous a permis de remporter la victoire ce soir parce que c'est des consignes qu'on a suivies à la lettre. Bien vrai que le début du match a été très difficile, donc je félicite beaucoup mes joueuses. On a fait de très belles choses sur le parquet ce soir pour défendre notre titre. Nous avions bien démarré cette rencontre, mais hélas, une expérience de quelques joueuses qui jouent pour la première fois à ces niveaux a perturbé notre système de jeu. Nous sommes quand même tombés avec les armes à la main. Un peu plus tôt a eu lieu la finale des hommes.
célèbre champion en titre, les joueurs du Stade malien de Bamako qui ont entamé de la plus belle manière cette rencontre. Le premier carton est gagné par eux, 23-15. Les policiers qui se battent pour sauver leur saison redoublent d'ardeur et se montrent rigoureux sur les rebonds offensifs et défensifs. Cette réorganisation permet à l'AS Police de remporter le deuxième carton 42-36. Dès lors, les policiers s'installent en tête et ne se feront plus dépasser par le Stade malgré de nombreuses parités. Le troisième carton est gagné par 61-59 pour finir 79-74. L'AS Police sauve sa saison avec ce trophée. Après l'analyse vraiment des playoffs passés, on a dit aux jeunes vraiment d'accepter de courir. Nous, on a marqué certains paniers sans opposition. On court seulement, on prend. Donc, au finish, le Stade sera plus fatigué que nous. C'est ce qui a été vraiment la clé vraiment du match. On a été champion avec contre cette même équipe. On a gagné 3 victoires à 1. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont travaillé pour prendre cette coupe. Je leur dis félicitations et j'encourage mes jeunes. Les vaincus ont reçu des médailles, un trophée et un chèque géant d'1 million. Quant aux vainqueurs, ils ont reçu la coupe et un chèque de 2 millions. Un mot de handball, la Coupe du Mali regroupant les 6 meilleures équipes issues du championnat national en dames et messieurs donne le ton ce mardi au Palais des Sports Salamatou Maïga. La finale est prévue le 29 septembre. Cette Coupe du Mali de handball boucle ainsi la saison fédérale 2023-2024. Ibrahima. Voilà, merci à vous, Sélagatou. Si c'est sportivement, toujours avec la même énergie débordante. La même passion. Merci beaucoup. Merci, hein. Et demain pour le journal des 20h, une présentation des Awama Kamara. Et ce journal, donc, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. Une édition spéciale dédiée au 64e anniversaire de l'indépendance du Mali souverain, 22 septembre. Une occasion pour saluer la mémoire des pionniers, célébrer le peuple, orienter la jeunesse pour de lendemains meilleurs aussi. Rendre hommage à nos forces armées de sécurité qui, avec patience, rigueur, fermeté, professionnalisme et patriotisme, nous garantissent la sécurité. Et cela, aujourd'hui, demain et jour après. Merci, bonne fête.